C'est-à-dire, notre Jésus, c'est un taulier. Au temps de fois, je vous ai dit, un jour, William Branham, avec son fils, dans une voiture, il y a des jeunes gens, dans la folie de la jeunesse, ils passent sa vie valeur. Et la voiture fait un accident. La voiture s'est compressée. Il y avait un monsieur à l'intérieur. En train de pleurer. Je vais mourir. Et le véhicule, prêt à prendre feu. Et le prophète arrive. Prends-lui au mot. Les choses vont arriver. Ce que je vous dis, c'est lui. Ce n'est pas moi. C'est lui. Prends-lui au mot. Et tu verras. Voilà, me dit, je suis arrivé. Je n'ai pas prié. Non. Je fais simplement les pas tout autour de la voiture. Et le Seigneur Jésus, le full compact, il est descendu. Il a pris la voiture. Moi je suis un taulier. Je commence à redresser sans le marteau, sans le biret, sans présent. Si Dieu peut redresser la voiture, à combien plus de temps? Dieu redresse la voiture sans un marteau, sans un biret, mais la présence de notre prophète, Dieu descend pour confirmer que je suis là. Dieu, sa présence joue même sur les choses matérielles. En pleine prédication, le full compact, il descend. Le fleur en plastique commence à grandir. Ça ne s'est jamais fait. Et si ça présente, sa présence impacte. Et toi, si le fleur en plastique et ça germain. Mais toi, peu importe ton fleur, le Dieu là, Zambéola, tu peux l'appeler. Tu peux l'appeler. Sa présence va dégager les choses. Amen. 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 Rassemblez les preuves. Les pays bon. Je vous dis, si Dieu veut bénir, il peut aussi la faire. Toi, le matin, tu es le même Dieu. Beaucoup de points. Amen. Beaucoup de points. Il est capable. Amen, amen. Amen. Il dit. Alobi. Si tu ne peux pas prendre Dieu au mot, Dieu m'a envoyé pour toi. Prends-moi au mot. Cela veut dire ce que j'ai dit. Oh, nga na zoloba. Crois cela et tu verras ce qui va arriver. Oh, koko melayo. Nous avons tout. Quand vous dites amen, amen, ça met Dieu mal à l'aise. Et zamba zangi kimia. Dieu se sent affaibli. Zamba yo kibotaou. Cet enfant, il m'a eu. Cet enfant, je ne peux plus bouger. Branham me prêche. Branham il prêche, atei, il prêche. Atei. Les gens disent amen, 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 amen. L'ange descend. Moi, j'ai quitté. William Branham. Demain, lobby. Je vais faire un tour. J'avais répertorié. Naïna koma qui va combo. Toutes les personnes qui disaient amen à ta parole. Dieu connaît ton quartier. Dieu connaît que tu habites Massina. Avenir, je ne sais pas quoi. Numéro tel. Numéro bon. C'est ton amen. Qui amène amen Dieu. Et amen à capter la grâce. Il est le même Dieu. Ce matin, réveille-toi. Dites simplement au Seigneur. Dieu témoigne. Branham a dit que je lui prenne au mot. C'est mon prophète. Il a dit Dieu est obligé. Même quand tu changes l'adresse, réactualise l'adresse. Comme ça, l'adresse est là. L'ange réactualise l'adresse. Amen. Amen. La loi qui possède une ombre. Et Mobeko Yozo Sangola Eli. Prêchez le 21 juillet 56. Arrêtons-nous ici juste un instant. Totalement moqué awa. Remontons dans le passé. Tozonga moqué na kala. Et écoutons pendant quelques minutes. Petoka mwangonga moqué. Ce qu'était cette parole. Peli lobo ezakini.
Cette parole que nous lisons dans cette Bible ce soir n'est pas venue à l'existence juste par la plume du Saint-Paul, de Luc, Luca, de Marc, Malako, et de Jean. Non. Cette parole que nous lisons dans la Bible était la parole parlée avant que le monde ne vienne à l'existence. Il dit amen. Amen. La seule chose qu'ils ont faite, c'était juste d'écrire ce que Dieu a fait déjà prononcé. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Maintenant, faisons un petit voyage imaginaire jusqu'avant que le monde ne commence. Savez-vous que Jésus était l'agneau immolé depuis la fondation du monde? Eh bien, madame, ôtons les rideaux et écoutons cela juste un instant. Alors cela vous encouragera pour tout ce dont vous avez besoin. Aussi longtemps que vous voyez que c'est écrit ici, accrochez-vous à cela. Dieu va confirmer cela. Aussi longtemps dans la Bible, on nous dit chez nous, il n'y a pas de stérile. Je m'accroche. Peu importe la circonstance, le Dieu de William Branham, il m'a dit aussi longtemps c'est écrit, moi je m'accroche. Aussi longtemps il est écrit, vous serez la tête et non la queue. Je m'accroche. Aussi longtemps qu'il est écrit, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous guérit de toute maladie, je m'accroche. Peu importe ce que les gens disent, ce n'est pas mon problème. Mon prophète m'a dit, William Branham, il m'a dit, aussi longtemps. Ce matin, tu peux voir, tu peux aller vers le Saint-Esprit. Dites-lui, tu étais témoin. En 1956, le 21 juin, le prophète a dit, aussi longtemps que c'est écrit, je m'accorde de l'accomplir. Alléluia. Amen. Vous le croyez? Je me sens mieux. Aussi longtemps. Oumela. Voilà, me dit. Je suis témoin de ce message. C'est écrit. C'est écrit. Il dit, j'étais là. Il est descendu. Il m'a dit, j'ai besoin d'écrire. Mais parle. C'est écrit. J'ai parlé. Et je vis. Dinéa. Le créateur. Créé quelque chose qui n'était pas là. Il dit, j'ai grâce sur les cieux. Tu ne rêves pas. C'est écrit. Et comment? Aussi longtemps. Où mais là? C'est écrit. Et comment? Toi aussi. Yopé. Amen. Écoutez. Yoka. La foi de Marie. Et condima Maria. Prêchez le 21 janvier 61. Dites au Saint-Esprit, écoute bien, tu étais témoin, quand mon prophète parlait, c'était le 21 janvier 1961, tu étais là, non? Paragraphe 23, demain Moïse, quand il cessa d'espérer à sa théologie, amen, amen. N'espérez pas dans tout ce que vous voyez là. Et qu'il était derrière le désert. Pesant les brebis de Jéthro. Il a vu un jour une boule de feu là, au feu d'un buisson. Et il s'est accroché, approché, et ôté ses souliers comme cela lui a été recommandé. Et il a écouté pour voir ce que c'était. Mais quand il a vu que cet ange était scripturaire, c'est écrit. Alléluia. Il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Je me suis souvenu de mon alliance. Il savait que Dieu avait fait la promesse. Et que c'était
C'était cet ange qui irait avec lui. Je me souviens de ma promesse et de mon alliance. Je vis les souffrances de mon peuple. Je vis ta souffrance. Et je suis descendu pour les délivrer. Alléluia. Moïse savait que ce n'était pas lui. Parce que je suis descendu pour les délivrer. Oh, c'est le bon côté de la chose. Je suis descendu. Toi, sois simplement mon porte-parole. Quand les femmes me parlent, il ne parle que de la part de quelqu'un. Il a donc vu que c'était tout à fait scripturel. Et Marie a vu que c'était tout à fait scripturel. Car la veille, elle lisait cela, peut-être dans les rouleaux, comme notre petite scène se poursuit. Je vous l'ai dit qu'il est donc de votre intérêt de lire la parole de Dieu chaque jour. Alléluia. Amen. Jésus a dit, sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. En d'autres termes, il a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, cela a été censé être fait à sa venue. Alors ne me croyez pas. Mais si je fais les œuvres, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres, parce qu'elles ont été envoyées de Dieu. Amen, amen. Amen. Il a vérifié. Attalaki malam. C'est scripturé. Et ça m'a commis. Comme c'est écrit. Le quoi le commandi? C'est fini frère. Et si lui on a deux. Alléluia. Tiga na bakselo komo. Il dit dans la prédication, c'est revêtir de toutes les armes de Dieu. Alors bien à commis là, tu sens le bout de l'union sur un zamb. Prêché le jeudi 7 juin 62. Il dit c'est paragraphe 43. Andam maloba tout comme il a dit. C'est juste. Et ça penda. Comme la parole au commencement. Elle nous a été apportée dans le jardin d'Eden. Et la parole parlait. Et la deuxième fois, elle a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Et la troisième fois, elle devait une partie de nous. Et comme il était la biso. Prends-lui au mot. Je vous donne des choses qui vont pousser Dieu à devenir faible. La parole est devenue une partie de nous. Quand le Saint-Esprit demeure en nous, Dieu entra dans l'homme. Premièrement, il a prononcé la parole. L'ennemi a brisé cela. Ensuite, la parole a été faite chair. Il a été crucifié. Mais aujourd'hui, il dit amen. Amen. Il y a quelque chose de différent dans la parole. La parole est devenue l'église. Et l'église est devenue comme il y a quelque chose de différent. Là dans le jardin d'Eden, le diable a brillé. En Jésus, il est mort à la croix. Et aujourd'hui, cette parole, quelque chose de différent. L'église est devenue la parole. La parole est devenue l'église. Tout ce que Dieu était, tout. Il a déversé en Christ. Tout ce qui était Christ, il a déversé dans l'église. Le Saint-Esprit. Maintenant, l'ennemi a quelque chose. L'ennemi a quelque chose. Oui, il n'est donc pas en train de combattre quelque chose dans le passé. C'est vous qui le combattez. Beaucoup de gens ne prennent que la lettre. La lettre tue, l'esprit vivifie. Vous voyez. Ils prennent ses credos et autres. Ça tue toujours. Mais lorsque vous recevez le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Comment savez-vous que c'est Dieu? Parce qu'il reçoit la parole et la manifeste. Dieu va recevoir la parole en vous. Pas simplement la recevoir, mais la manifester. Si la parole est l'amour, c'est à toi de manifester l'amour de la parole. Je vous ai dit le jeudi. Un jour, on l'appelle. Il y a un monsieur qui est malade. Venez prier pour lui. Il fait un raccourci devant
Il voit un bœuf qui est là-bas. Un grand taureau. Il venait de tuer quelqu'un. Le taureau dit, aujourd'hui, j'ai un autre client. Le taureau, il rentre en arrière. Madame dit, j'ai regardé à gauche, c'est pour ça que je fouille. Je n'allais pas vraiment vaincre le taureau. Le taureau vit à vitesse. Branham manifeste l'amour. L'amour se dégage. Il crée un cercle. Dès que le taureau entre dans le cercle, il frappe la force. Tous ceux qui te suivent là, qui te fait plaire, n'ayez pas de problème avec eux. Mettez à côté. Aimez-le. Ton amour va les amener à se fléchir. Laissez les gens parler. Laissez les gens critiquer. Laissez les gens dire. Ce n'est pas le problème. Ça a toujours été. Et nous, notre prophète, qui nous a dit, nous recevons la parole. Et nous la manifestons. Oh, mon oncle, c'est un sorcier. Il ne peut pas venir chez moi. Non. Laisse-lui venir. Donne-lui le foufou. Pourquoi encore? Ajoute les madames. Ajoute encore. Avec l'amour. Il va commencer à te regarder. Agota, agota. Même si ta tante, attends, ta maman, sorcière, invite-la à la maison. Maman, ma maison, elle est ouverte. Sois la bienvenue. Ton amour va la saisir. Vous êtes la puissance de Dieu. Vous êtes l'amour de Dieu. Branham dit, je suis la bouche de Dieu. Je suis le Dieu de Dieu. Vous êtes l'oreille de Dieu. Les mains de Dieu. Les pieds de Dieu. C'est ce que vous êtes. Amen. L'amour s'est dégagé. Et l'amour a maîtrisé un taureau. Et Branham dit, j'ai dit au taureau, nous nous parlons aux animaux. Vraiment, je suis désolé. J'ai dérangé ton repos. Il y a quelqu'un qui est malade. Je n'ai pas prié pour lui. Je vais m'excuser. Limbisanga. Le taureau fait fou. Je suis d'accord. Nandimi, quel est là? Notre Dieu, il peut dompter même les taureaux. Il peut dompter tes ennemis. Pousse à tes pieds. Quand tu les regardes. Ces péchés-là qui te dérangent, dans ton cœur, réveille-toi, quitte à ces péchés, je veux te dompter. Je veux te dompter. Marie de nuit, je veux te dompter. Femme de nuit, je veux te dompter. Ça n'a pas besoin de prier. Et ça, il y a ses propres positions. Tel que je suis, la parole. Amen. Branham dit, la parole de Dieu vaincra les diables. Amen. 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 Et cette parole de Dieu, Père, ce n'est plus de papier. Et ça, ma cassette. C'est devenu l'homme. Et comme une moto. C'est pourquoi il dit, Yama dans cet âge, la parole est différente. Il vous allez vaincre les diables partout. Dans ton corps, tu vas les vaincre. Dans ton esprit, tu vas les vaincre. Dans tes affaires, tu vas les vaincre. Dans ton mari, tu vas les vaincre. Dans ton église, tu vas les vaincre. Au travail, tu vas les vaincre. Partout. Amen. Amen. Vous les croyez? Amen. Il dit ceci. Amen. Dans la prédication de la foi de Marie. Prêchez les 11 mars 60. Paragraphe 23. Il parle de Marie. Elle n'a pas entendu. Azela quitté. D'être sûr de cela. Ya kondi mi sama na yango. Elle n'a pas entendu. Qu'elle sente la vie. Et ayo kabo moi. Ou un certain genre de sensation. Prouva qu'elle était enceinte. Pona komone te dans zeb. Et Marie a Azela qui donc. Elle a juste accepté sa parole. Et cela suffisait. Pe yango koka ki wana. C'est ce que Dieu désire que vous fassiez ce soir. N'attendez pas que vous sentiez mieux.
N'attendez pas que vous soyez à mesure de mieux bouger la main ou de faire correctement un pas. N'attendez pas que les médecins disent que votre état est meilleur. Mais prenez Dieu au mot et commencez à croire cela. Voilà la seule façon de lui plaire. Acceptez sa parole. C'est de cette façon-là que les miracles sont accomplis. Quand Dieu est pris au monde, l'impossible est impossible. Dans notre camp, nous vivons des impossibles qui deviennent des réalités. Un casseur de pierre. Un casseur de pierre. Il devient millionnaire. Comment expliquer ça? Je ne sais pas. Quand Dieu est pris au mot, quand on ne doute pas, on était simplement les doutes dans votre esprit. L'impossible devient des réalités. Donc pour toi, c'était impossible hier. Et quand tu prends Dieu au mot, tu minimises la chose. Même si je ne bouge pas ma main, mon frère, ça va. Marie n'attendait pas qu'il sente. Marie a dit Marie a dit oui. Marie a bien qu'il me soit fait selon les paroles de l'ange. Et ce matin, moi aussi, qu'il me soit fait selon les déclarations de foi. Frère, tu sens comment? On ne m'a pas demandé de sentir. On m'a dit de croire. Comment il y a un changement? On ne m'a pas dit de sentir un changement. On m'a dit simplement de croire. Et Branham ajoute. Branham ajoute. Il dit ceci. Quand vous commencez à témoigner, Dieu va amener ton corps à obéir à ta confession. Je suis béni. Je suis béni. Ah frère, tu es béni. Et tu dors par terre. Ce n'est pas le pompe de domicile. Moi, Dieu m'a dit. Je suis béni. Ah frère, tu es béni. Tu ne paies même pas la loi de 50 $. Ce n'est pas le pompe de 50 $. C'est que je sais. Je suis béni. Pasteur, je suis béni. Église, je suis béni. Mon frère, je suis béni. Branham me dit, ta confession va amener ton corps à obéir. Moi, je suis une maman. Je suis une maman. Nazali maman. J'ai des enfants. Même si je ne les ai pas encore vus. Moi, je suis une maman. Je suis un papa. Nazali papa. Mais on a dit, ce n'est pas l'histoire qu'on a dit. C'est ce que tu as dit. Ce n'est pas mon problème. Moi je suis ce que le prophète a dit. Oh mon chocolat lobby. Amen, amen. Amen. Vous le croyez? Amen. Il dit ceci. L'Éternel n'a-t-il pas parlé qu'à Moïse? Et dans cet âge, Dieu a parlé simplement. 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 À William Branham. Simplement. Kaka. Moi j'ai toujours répété ça à mon église ici. Jésus. Yes. Le pasteur avait encore expliqué ça la fois. Jésus a un commencement. Yes. Mais pas Jésus-Christ. Kasi Yesu Christ ote. Jésus-Christ, c'est un full compact. Jésus-Christ, c'est le nom et le contenu. Et Yesu Christ azali kombo pe tina li kambo kati na kombo. Les dénominationnels, ils ont les noms, ils n'ont pas les contenus. Les contenus, c'est le message de l'œuvre. La vie de Dieu, c'est ça qui forme Jésus. Les autres disent, soyez purifiés. Je jette le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Abraham nous dit, Jésus n'avait qu'un 5 litres. Mais le sang de Jésus revient chez nous sous forme de la parole.
ils ont le nom de Jésus. Bango bazaka la kombo na Yesu. Le même Jésus. Ka Yesu moko. Le même nom que nous avons. Kombo moko to zanaye. Mais kasi. La différence. Bon, que nous la le contenu. Oya motuya ya kombo wana. Parce que Jésus, il était Jésus. Yesu ki Yesu. Et il était Jésus-Christ. Bazaka ki Yesu Christ. Christ c'est le papa de Jésus. Et Christ ozala ki tata na Yesu. Si vous restez avec le nom de Jésus, sans la personne qui était à l'intérieur, le Dieu va te dribbler à tout moment. Donne-moi une amen. Voilà, me dit ceci. Dans le temps de la fin, il dit ceci. Un jour, Dieu, il avait envoyé un prophète. Élie a fait son temps, il a régné son temps. Élie a donné qui n'a tangu naie, asa il a qui tangu naie. Un frère, ne comprend pas moko, parce qu'il est juif. Pour être dans un moyuda, il s'est donné le plaisir. A misé à bien penser, c'est autant à se peler. De vivre comme il veut. Et habite quoi lingi? Faites attention. Keba. Il prend une dame qu'on appelle Jezabel. Azui moi c'est moko la comment Jezabel? Frère Akab. De quoi Akab? La sœur commence à la dompter. De comment ça va nous conduire? Il commence à l'éloigner de la parole. Avant nous qu'on pense à malo. Un jour, moko moko. Il raconte Élie. Écoute Élie. Élie. Toi qui tournes les enfants. Ils ont Il dit non. Élie a l'habité à Cap. C'est toi qui tournes. Nous avons quand même. Amen, amen. Élie dit toi. Élie a l'habité. Les chiens. Balimboa. Va lécher tout ça. Bah, que l'embo la maquille là. Ah. On a biloba là. Bolbaka bongo. Voilà. Amen, amen. Amen. Les temps sont passés. Batangu et les kaki nango. Élie est mort. Élie a coupé à Koufi. Akaba, je veux dire. Akaba, bien sûr, binoni. Ben c'est lui qui est mort devant moi. Hier, Koufi, vous êtes bossé nanga. Ok. Madame. C'est pas un problème. Ezali Kamboté. Le prophète est parti. Mosako lakena. C'est pas un problème. Ezali Kamboté. Vous voyez ce qu'il disait. Bon, mon amané koloba. Oh, les chevaux, les chevaux. Et tes bambouli, moi, ma colombe, la maquille nanga. Il est parti avant. Bon, à Koufi, il y a mon gars à Koufa. Un jour. Mon kolomoko. Frère Akab. De quoi Akab? Il pouvait devenir un beau frère. Après qu'on commence à comment là mon quartier n'encolo. Il rentre dans l'église. À son église. Il commence à prier. Abandiko sambel. Abandiko pour tabler en sol. Kakuna alol. Je regarde Akab. Hey, alléluia. Zambatele Akab. Mon fils Akab. Moi là n'anga Akab. Il s'est repenti. Allez on boli ma soumé. À combien de commandes? Mais Dieu tourne comme ça. Zambaluki boy. Hey. Mon sang à la vie. J'avais parlé. Nalobak. Amen. Et là aussi. Kakuna alol de mobile. C'est ma parole. Et ça lui va balanga. Qui fait loi? Oh qu'on passe à mon bec. Hey, si. Amen, amen. Maintenant, j'ai fait quoi? Na kosa sikoni. Non. Tiens. Ma parole doit s'exécuter à la lettre. Lilo banane sekele ko kisa moko na moko. Amen, amen. Amen. Dieu peut tourner comme ça. Nzamba ko baluka boy. La parole de Élie réveille Dieu. Lilo banzambe la musi Elia. Nzamba ça comme ça. Oh, tika kabe wonene. Mais aujourd'hui la gêne. Et lelo a uti ko kila. C'est pas l'histoire des gênes. Et zali kama okila te. J'avais parlé. Ngasi na lobaki. Mais comme j'avais parlé. La chose. Il kama wana e sengeli salama. Élie. Mais il s'est repenti. Oui, pardonne-lui. Élie, mais ça l'a dit. Amen. Ma parole. Amen. Il est ce qu'il a dit. Oh, il a dit. C'est ce qui va arriver. Il y a encore qui s'en. Amen. Même si le monde est changé. Attends, qu'il est bon. Ce que Branham a dit. Oh, Branham a dit. Sur toi. Ça va s'accomplir. Dieu, il ne sait plus quoi faire. Nous avons dit que sani. Maintenant, j'ai fait quoi? Élie dit, c'est pas mon problème. Élie a dit, voilà que tu es allé. Fais ce que tu dois faire. Mais c'est mon fils. Kasi moi nanga mobali. Je le refuse pas. Nana boite. C'est ton fils. Asa mwana mobali. Mais kasi. J'avais dit. Ngasi na lobaki. Voilà me dit. Voilà lobi. Dieu cherche un secours. Nzambe a luki li sungi na lufel. Bon. Pour que la parole du prophète s'exécute. Bon la kaka li lobana mosa wole ko kisama. Même l'enfer. Ata lufel wa. Ils peuvent m'aider. Et sengela sunga ngai. Vous dites amen à la parole. Même l'enfer. Dieu va l'utiliser. Pour que cela s'accomplisse. S'il faut que Dieu détruise tout le Congo. Pour que la parole de Dieu. Votre amen. Amen. Dieu va le faire. C'est dans la prédication le temps de la fin. Un esprit est venu. Il s'est présenté devant Dieu. Je vois que Dieu, bon, dans telle situation, moi je connais. Et tu es là, bien, j'ai des formules. Voilà, me dit. Voilà,
Dieu lui a dit, bon, tu vas faire quoi? Je répète les termes du prophète. Il dit, je vais leur donner mon onction. Je vais entrer dans leur prophète. Je leur donne mon onction. L'onction. Et donc, l'onction là, c'est quoi? Et il dit, mon onction, je vais les faire faire des grandes productions. Des miracles. Bikamo. Mais pourvu que je les éloigne de la parole. Nous, les miracles, ça ne nous intimide pas. Nous veillons sur ce que le prophète a dit. Ravissez-nous tout. Prenez l'argent. Prenez tout. Prenez tout. Prenez tout. Mais la parole. Je dors affamé. Je n'ai pas à manger. On chasse les enfants. L'onction est venue. Ils ont fait des miracles. Mais quand on dit le prophète a dit, ah, vous aussi. Avant le visiteur, le prophète. Quand un frère commence à te dire ça, il a l'onction de l'autre côté. Même s'il ressuscite les morts, il a l'onction de l'autre côté. Amen, amen. 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 Laisse-moi lire, frère Banam. L'Éternel n'a-t-il pas parlé qu'à Moïse? Paragraphe 3. Dieu ne change jamais. Vous le croyez? Sa puissance est tout à fait la même qu'elle était avant la création du monde. Dieu a créé en prononçant la parole. Et au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est ce qui était au commencement. La parole. La parole a été faite chair. Et habité parmi nous. La parole est retournée de nouveau à la forme de l'esprit. Elle vit parmi les hommes ce soir. Jusque le même Dieu vivant dans les âges. Donne-moi un amen. Et ce soir, ou ce matin, sa parole est aussi efficace dans le cœur du croyant. Quand elle prononce, tango ya bimisi, quand tango ya mwe sakola maki, ebande. Laisse-moi rentrer. Et ce matin, sa parole est aussi efficace dans le cœur de Josué. Ce matin, sa parole est aussi efficace dans le cœur de Georgette. Ce matin, sa parole est aussi efficace dans le cœur de Daniel. Ce matin, sa parole est aussi efficace dans le cœur de Ruth. Ce matin, sa parole est aussi efficace dans le cœur de Jacques. Ce matin, sa parole est aussi efficace dans le cœur de Nathalie. Ce matin, pas demain. L'obité, pas le soir, maintenant même, ça saïpi, maintenant ça saïpi, dans ton cœur, il y a la parole, elle est efficace. Donne-moi un amen. Pesang amen. Sa parole est aussi efficace dans le cœur du croyant quand elle a été prononcée au commencement. Donne-moi un amen. Amen. Dieu avait dit Zambalubaki, que la lumière soit et la lumière fut. Même ce matin, dans ton cœur, tu parles Olobi, même efficacité. Donne-moi un amen. Pesang amen. Amen, 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 amen. Elle ne devit jamais de savoir. Elle ira de l'avant. C'est un relais constant. Une chaîne qui va toujours. Et dans chaque âge, Dieu a toujours eu quelqu'un par qui il peut avoir confiance et par qui il peut travailler. C'est vous. Yo.
Dieu a confiance en toi. Tu devrais être l'homme le plus fier. Et ce qui pousse Dieu à te faire confiance, c'est pas parce que tu ne voles pas. Non. Ce qui pousse Dieu à te faire confiance, c'est pas parce que tu pries beaucoup. Ce qui pousse Dieu à te faire confiance, vous voulez avoir la chose? Un jour, Dieu, dans le jardin d'Eden, le péché arrive. L'information arrive. Et t'es sangoyé. Madame dit, Wanabi, je suis ici Nazaliawa, et je vois la scène. Oui. Croyez à foi, madame. Bon, Dieu m'a montré la scène. Dieu descend. Adam. Voilà mes voix. Comment Adam s'est caché. Adam. Alléluia. Amen. J'ai entendu ta voix. Je me suis caché. Adam. Pourquoi? Pour nani? Je suis nu. Naza bolumbu. Qui t'a dit? Nana ebiso za bolumbu. Ah. Dieu, tu vois? Nzambe omoni. C'est la femme que tu as mis à côté de moi. Za moi so tia pene langa. Ambo? Eve. Ewa. Ma fille. Moi nanga mosi. Qu'est-ce qui se passe? Ni nezoleka. Oh non. Tiens. C'est le serpent. Za nyoka. Qui m'a envoûté? Oya lokingai. Madame dit ceci. Anabiwe. Dieu. Zam. Il est entré en lui-même. Il regarde Adam. Atali Adam. Il voulait maudire Adam. Il voit en Adam. Il est à l'intérieur d'Adam. Adam. Amen. Amen. Je ne peux pas me maudire. Au lieu de maudire Adam, je vais maudire la terre. Zam. Amen. Amen. Il regarde Ève. Il entend lui-même. Il veut parler. Il voit en Ève. Il y a Adam. Cela veut dire Dieu, il est en Ève. Il regarde le serpent. Dieu entend lui-même. Il lui cherche. Il lui cherche. Aluki. Amen. Il lui cherche. Aluki. Il n'a jamais existé. Je maudis le serpent. Amen. C'est pourquoi Dieu Zambé ne pourra jamais. 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 Amen. En toi. En toi, il y a une partie de Dieu. Alléluia. Amen. Béni soit le Dieu. Amen. 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 Cette histoire. Cette histoire. Dieu l'avait mis. Indépendamment de ta volonté. Amen. Amen. Bonamedi. Il y a des gens qui ne seront jamais. Jamais. Perdu. Jamais. Vous ne serez jamais. Jamais. Peu importe tes fautes. Tu n'as pas en faute. Tes erreurs. Pour Dieu. Pour c'est ce qui compte. Hey. Alléluia. Ton origine. Et si ton origine. Et si ça ne vient pas de ton père. Et où tu vas pas de ta main. Et dans la ton origine. Et si ça vient de Zoé. Et où tu n'as Zoé. Amen. Faut vous asseoir. Faut vous asseoir. Bon, qui confond. Écoutez. Boyoka. William Wanamdi. William Wanamdi. Même la Bible. À ta Bible. Dieu. Zambé. A choisi ça Abraham. Abraham, il était un idolâtre. Et Abraham a zaki mosambe libikeko. Lui et sa famille. Yena libota na ye. Mais le choix de Dieu. Kasi kopona ma Zambé. Est tombé sur Abraham. Eye pa Abraham. Le choix de Dieu. Kopona ma Zambé. Est tombé sur. Eye libona yo. Peu importe ce que tu étais. Si la Dieu zala ki no bien leki. Oh, j'ai avorté. Oh, la longola bazem. Pour Dieu, c'est rien. Pour la Zambé, c'est le côté. Oh, j'avais tué. Et la bomba qui m'a tué. C'est rien. Et pas Zambé, le côté.
Laisse-moi vous dire, David, l'homme selon le cœur de Dieu, il tue son militaire pour prendre sa femme et que de cette femme, c'est là où le fils de Dieu vient. Est-ce que vous comprenez? David, il convoite la femme d'autrui. Il entre dans sa maison. Il commence des calculs. Comment j'aurai cette femme? Bon, chef d'état-major, venez un peu. Tu vois les militaires tels. Il donne le numéro matricule. Lui, il donne le numéro matricule. Faites un effort. Ce monsieur, mets lui à la ligne de front. Et Dieu est là. Il regarde. David attend. David a les nouvelles. Basango. Les gens reviennent. Il lui demande. Batouni. Le monsieur que je t'ai dit. Son sort, c'est comment? Le roi. Il a si combien ses blessures? Alléluia. Alléluia. Je l'ai eu. Amen, amen. Amen. Il prend la femme de tout. Azui-moi. Et de cette femme, Salomon est venu. Salomon abimi. L'amour de Dieu pour toi. Ça ne regarde pas ce que tu fais. Toi, ce matin, tu commences à te réjouir. Quand le diable te dit, d'ailleurs, tu as fait. D'ailleurs, tu as fait. L'amour de Dieu est au-delà de ces choses. Amen. Laisse-moi terminer. Vous le croyez? Amen. Soyez certain de Dieu. Paragraphe 75. Prêchez le 25 janvier 59. L'amour de Dieu pour vous, c'est au-delà des millions. Quand Dieu t'aime, c'est fini. Il ne sera pas pas. Il t'aime, mais il t'aime. Et ça, l'ingio. Amen, amen. Amen. Vous m'aidez avec mon chargeur, mon ordinateur s'est éteint. Oui, là, ma chargeur. J'ai lu là-bas. Attends, il dit ceci. Abiboy. Combien Satan aime? Boni Satan alingaka. Vous lancez ces mots-là. Kobwa ke la bino malaba. Eh bien. Madame. Tu ne vois pas mieux. Okoza malamu te pona yo. Depuis que tu as été en huile. Uta batia mafuta huile. Tu ne vois pas mieux. Ozomo na te obikate. Que ces prédicateurs. To moté yona. On priait pour toi. Ba bondeli pona yo. Madame dit. Madame bi. Le diable t'a dit, d'accord, ces prédicateurs bataille, sont dans l'erreur. Dans commencer, cela n'a rien à voir avec ces prédicateurs. C'est votre foi dans le Dieu vivant qui compte. Ce n'est pas ce que les prédicateurs et c'est ce que Dieu est. Le prédicateur n'a jamais fait la promesse. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est Dieu qui t'a promis. Il va accomplir. Le prédicateur n'a jamais fait la promesse. C'est Dieu qui fait la promesse. Ce n'est pas l'affaire du prédicateur. C'est l'affaire de Dieu. Et de votre foi. Pourquoi? Il s'agit bien de Dieu. Soyez certains de Dieu. Soyez certains qu'il s'agit de Dieu. Que c'est la parole de Dieu. Et Dieu est dans sa parole. Ce n'est pas mon problème. Non, non, non. L'histoire de ton salut. Comme le frère Lavie le chante. C'est l'amour d'entre père et fils. Il m'a connu dès avant la fin. Ce matin, je vais simplement me réveiller. Oh, je suis le fils de Dieu. Oui. Oui. Je suis le fils de Dieu. Cette montagne-là m'appartient.
Peu importe ce que le diable te montre, tu n'as pas diable lui simplement. Là au ciel, tu n'as aucune représentation. Tu n'es pas là. Mais moi, c'est là où je veux. Amen, amen. Amen. Quand je médite sur l'amour de Dieu, Abraham, Dieu lui dit, c'est de toi. Je vous ai dit ça le jeudi. Tu seras père d'une nation. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Tu auras un fils de Sarah. Amen, amen. Amen. Les années se sont écoulées. Lot. Lota. Il a fait son choix. Aponaki. Il est allé à Sodome. Akendei na Sodome. Abraham. Abraham. Yo de la montagne. L'anglicolo n'angomba. La sécheresse arrive. Etengelele ye bokauki. L'épouse commence à faire pression. Et moi ça bandi ko tili kama suku. Chérie. Molingam. Tala moi c'est Lot. Le Lot a tiré l'ambassika. Menga ikaka oyo enzulu kable. Na changa katé. De telles pressions, ça s'étouffe partout. Et vamos suku abo za bisika nos. Abraham dit. Abraham labi. Notre Dieu fidèle. Nzambe labi so za sem. Il m'a dit, je suis la source des bénédictions. Nous, on ne court pas derrière les bénédictions. Les bénédictions, notre Dieu nous a dit, il va les ordonner de nous accompagner. Amen, amen. Deux jours après, chérie, on a appris que les bergers là, ça ne va pas. Et Baba, tu l'as passé 5 mois, l'équipe a foutu à mité. Chéri, ne t'en fais pas. Notre Dieu, il est capable de tout. La pression devenait de plus en plus. Amen, amen. Un jour, la famine arrive. Abraham Abi, malam. Chéri, allons chercher à manger. Allons en Égypte. Toke en Égypte. Ils arrivent en Égypte. Mais comme en Égypte, les rois. Mokozi. Il voit Sarah. Amoni Sarah. Il dit, ah, cette beauté. Mosenga oyo. Je n'ai jamais vu. Natigala komona yango te. Des belles dames. C'est dans le message. Et te basse à kitoko bazana kata sang. Je crois que les sœurs vont donner amen. Na kasa ibaser mo ganga amen. Il y a pas de femme meilleure. Et ça la pense ma la mouté libanda sango. Il y en a pas. Exacte. Il y en aura jamais. Pe kozala kata. Quand un frère commence à chercher les femmes à l'extérieur, la réponse est non. Il est OK. Yé abeli moto. C'est tout. Et si oh pasteur, je n'ai rien vu ici. Pasteur, na moni moto, moni moi sitiao. Cela veut dire dans ta tête. Na moto na yo. Yé, ça ne va pas. Les aussi mbaté. Amen, amen. Amen. Abraham dit bon chéri. Abraham abis molinga. Je vois des mouvements. Na somo na kolinga na. Les mouvements ne sont pas bons. Protège-moi. Batte la gangaï. On risque de mettre où est. Soki te babo mangapam. S'il te demande. Soki batunio. Des relations que nous avons. Et te boyo kan tosa ngana yo. Dites-le. Le bala ba ngaka. Tu es ma sœur. Ozan de kolanga mwasi. La Bible dit. Bibi lobi. Sarah a été prise. Satan de Sarah zoamaki. Comme l'épouse. Lokola mwasi. Ya mokonzi wana. Amen, amen. Amen. Dieu descend. Nzamba kiti. Il frappe l'hémorroïde. A beti l'hémorroïde. Toutes les la maison. Ndako biba. Ah, roi dit mais qu'est-ce qui oh, ni le sivate. Depuis que j'ai touché cette femme. Outa la siva moi sœur. Les choses ne marchent plus. Makambo simba souta. Toute personne qui essaie de te toucher. Motono sa zombe ka ko simba. Dieu va s'en occuper. Nzamba ko za peto na ye. Dieu va s'en occuper. Nzamba ko za peto na ye. Il faufile, il regarde. Ah, looky, looky. Un jour, Mokolo. On le voit dans des conditions. Ah, bah, non. C'était sa femme. Elle a qui moi sinaye. Mais il fallait nous le dire. Et c'est quoi ça bisote? Notre roi, il souffre des hémorroïdes. À cause de toi. Na tina la yo. Au lieu que Dieu punisse Abraham. Et si quand Zamba bête Abraham. Il va, bon, va demander pardon. Toi, incrédule, va demander. Yo, motema kenza kenza ko senga bolimbis. Donne-lui les bébés. Pesa ye bangombe, pesa taba, tout pesa ye. Et qu'il rentre chez lui. Pe azonga pala ye.
Amen, amen. Amen. Il arrive chez lui. A comme il parle. Notre Dieu, quand il t'aime. Dans la lingue, La pression devient maintenant grande. Et mon souffle comme ma casse. Il est sur le chemin de Mamre. Il a fendu dans cette terre Mamre. Ah Seigneur. Nkolo. Tu m'avais dit. Olobaki nanga. Olobaki nanga. Olobaki nanga. Olobaki nanga. Plus vous pensez aux promesses. Mingozo kanisa na bilaka. Les promesses s'approchent de vous. Boye plus la peine là. Plus vous pensez de Jésus. Mingozo kanisa na Yesu. Jésus s'approche. Yesu azo bela makapere la yo. Vous parlez de Jésus dans votre maison. Ozo la belanda na ndako. Jésus s'approchera dans votre maison. Yesu ko pusa na ndako la yo. En sortant d'ici, Nagobima. Ne critique plus jamais dans ta maison. Quand quelqu'un vient, Tamotaye, il veut critiquer. Allez, la personne. Cette maison, c'est la maison des anges. Les anges campent tout autour. Ba angelou, ba zinga, ka, zinga, zinga. Ce n'est pas une simple question, ce n'est pas une simple réponse. C'est la vérité. Ezabosolo. Les promesses, Dieu m'avait promis. C'est la vérité. Ezabosolo. Moi, je crois. Quand moi, je rentre à la maison. Nazon, il va rentrer. Ah. Ça va au tung. Parce que la pression devenait grande. Et mon souk comme ma casse. Il voit des gens qui arrivent. La Bible dit. Biolobi. Dieu voulait faire semblant. Comme s'il allait, je ne sais pas où. Alors que son destination Zoka. Principale. C'était chez Abraham. Et pas Abraham. Ils arrivent. Va comme après, Simon, il mange. Bah, il dit, alors, Abraham, Abraham, ta femme est où? Moi, je suis dans la tente. Azana, l'année prochaine, mon bout est Zoya. Vous aurez un fils. Amen, amen. Amen. Sarah, elle écoute. Sarah, yoki yango. Yeah. Abi, oh. Au lieu de Tondi. On peut le voir là-bas. Moi à mon âge. Et mon Seigneur à son âge. La Bible dit. Elle a ri dans son cœur. Elle n'a pas ouvert la bouche. Non, non, non. C'est dans son cœur qu'elle est là. Dieu dit. Oh. Abraham. Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit impossible pour Dieu? Non, Seigneur. Mais pourquoi Sarah rit? Mais pourquoi Sarah c'est qui? Sarah. Abraham, Sarah. Pourquoi tu ris? C'est qui point? Moi. Gaï. Dieu dit oui, tu m'as vu. C'est qui? Je n'ai pas ri. Na c'est qui t'es? Tu m'as vu. Au moins la kina. Dieu manque les arguments. Nzambe asuki azangi maloba kolo. Parce que la sœur dit n'a pas ri. Quand de kolobi aye, awangali na c'est qui t'es? Je n'ai pas ri. Si c'était une autre. Soga zaki moto mosusu. Dieu allait tuer cette sœur à l'instant. Mais l'amour qu'il avait. Dieu avait déjà juré. Que de Sarah. La Sarah le fils va venir. Qu'il veuille ou pas. Il refuse ou pas. Dieu. Il a dit. Vous, la femme va avoir un enfant. Et Branham me dit. Que tu le veuilles ou pas. Que tu le veuilles ou pas. Tous ceux qui recevront ces prophètes. En qualité du prophète. Ces gens seront bénis. Donne-moi un amen. Tel que tu es là. Même si tu es fils. Je ne vais pas te bénir. Tu as dit. Tous ceux qui ont reçu. Ces prophètes. En qualité du prophète. Ils sont bénis. Moi je ne vais pas être béni. Que tu le veuilles ou pas, tu seras béni. Vous le croyez? Laisse-moi lire. Et puis je vais laisser la place au pasteur. Amen, amen, amen. Je vais terminer par ceci. Dans la prédication. Dieu tient sa parole. Paragraphe 141. Vous pouvez chercher. Non, bah, ce n'était pas dans mon fichier. Dieu tient sa parole. Il dit ceci. 141. Si c'est pour le salut. Ici, je n'ai pas écrit des dates, malheureusement. Il dit, si c'est pour le salut. Si c'est pour le biko. Si c'est pour la guérison divine. Si c'est pour le si c'est pour plus de bénédictions. Si c'est pour la paix.
Si c'est pourquoi que ce soit que Dieu a promis, so que laissez vos empreintes. Si j'ai besoin des amens. Si c'est pour le salut, laisse tes empreintes dans le salut. En d'autres termes, que la terre dise, s'il y a quelqu'un sauvé, c'est cette personne. Amen. Alléluia. Amen. Si c'est pour la guérison divine, laisse tes empreintes. Si c'est pour plus de bénédictions, laisse tes empreintes. Il faut que les gens disent, cet homme réellement il était. C'est ton droit. Si c'est pour la paix. So si c'est pour quoi que ce soit. So la songo que Dieu est promis. On laissez vos empreintes. Si on me dit amen. On dit amen. Tout lien qui foulera la plante de vos pieds. Et si je vous l'ai donné. La personne comme votre possession. Le la bilo. Je l'ai promis. La je tiens sa parole. La parole de Dieu Zambé. Est éternellement vraie. Et si le voilà, me dit. Voilà, je la crois. Nandimi yango. Je la crois. Croyez-la. Frère, Deko. Il est temps. Et ça tango. Pour nous. Bon, la biso. De laisser. Yakotika. Des empreintes. Bilembo. Il est temps, tango koki, prédicateur, motei, de laisser les empreintes. Et toti kape bilembo. Il est temps, tango koki, chante, moyemi, de laisser les empreintes. Toti kape bilembo. Il est temps, tango koki, frère, de combattre, de laisser les empreintes. Toti kape bilembo. Vous les croyez? Bonimi yango. Je termine ma citation puis je pars. Na tisi le tango fena ke. Nous ne pouvons pas rester ici. Toki koti kala wate. Dans le même camp. Kaka na mola komoko. Toujours là-bas, toujours. Tango na soko baluka kawa. Non non non. Tete. La promesse n'est pas comme ça. Et la caisse a été. Ton prophète a dit. Mon sacrement a lobi. Vous irez. Boko kendeke. De gloire en gloire. Kembo likolo en kembo. Vous les croyez? Bodibi yango. De puissance en puissance. Nguya likolo nguya. De bénédiction. Ma pombo likolo en pombo. D'élévation. Koma talikolo koma talikolo. C'est vous. Esayo. Ce ne sont pas les animaux. Esabanya mate. C'est toi. Esayo. Cette écriture a été dite. Et le mama qui? Pour toi. Kona yo. Nous ne pouvons pas rester ici dans le même camp. Le feu continue. Avancez. Avançons. De gloire. D'expérience biblique. D'expérience biblique. Pendant me dit, développons-nous et ouvrons nos cœurs. Levons les mains vers Dieu. Gardez toujours votre bon sens. Restez dans la Bible. N'en sortez pas. Restez là. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Oyo basalaka kele. Pousse le cri de joie. Ogangi makasi nesengo. Alléluia. Bakinwa balubaka milolo. Cette parole mérite les acclamations. Parce que la parole c'est Dieu. Alors acclamons le Seigneur. Poussons les cris de joie. Disons merci. Alléluia. Bon, je vais réjouir le cœur du pasteur Olivier avant qu'on puisse chanter, prier. Il a un cantique qu'il aime beaucoup. J'aime chanter ça pour lui. Pour lui dire que je suis tellement content de l'avoir à côté de moi. Comme mon associé. C'est une grâce qui m'a été donnée sur la terre. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse sa chère épouse. Ses chers enfants. Son ministère. Tikana tato la lobi konanda. Piranima etenga inabiki sami. Navana kakatina wa bulami. Boyango kobota mbuma ya lobi. Yo salinga
perfection. Tikana tato la lobi konangari. Mela ni maete na yami kisami. Napanda kakati na basi kolami. Mela moko bota muma ya lobi. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Nous t'adorons. Est-ce que quelqu'un peut lever la main pour dire merci au Seigneur? Nous t'adorons. Alléluia. Nous t'adorons. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
remercie simplement le Seigneur pour ce qu'il vient de faire, pour l'accomplissement de sa parole. Parce que tu as déjà ce que tu cherchais. Tu as reçu le vouloir de ton cœur. Tu as reçu la vie. Le Saint-Esprit est venu vers toi. Remercie seulement le Seigneur. Remercie. Que ton nom soit témoigné. Merci pour la guérison de nos vies. Merci pour la libération de mon frère. Merci pour la délivrance de ma soeur. Merci pour la bénédiction que tu lui as donnée. Merci pour la réponse que tu as donnée. Merci pour le dossier qui a été répondu. Merci pour le travail que tu as donné. Merci pour le Saint-Esprit que tu as donné. Merci pour les enfants que tu nous as donnés.
Merci parce que ta parole ne faillira jamais. Les cieux et la terre passeront, mais ce que tu as dit arrivera tel que tu l'as dit. En tant qu'auxiliaire de Malachakat, pasteur de cette église, je déclare qu'il nous soit fait selon la parole de William Marion Branham. Parce que la parole de l'ange, c'est la parole de Dieu. Nous t'acclamons pour tout cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus. Sous cette pression de l'adoration, nous allons faire passer directement le panier d'offrande avant que j'entre dans l'autre partie que je veux faire tout de suite. Et pendant ce temps-là, frère, la ville est où?